Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la clé de la réussite numéro 18. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une clé très importante pour réussir. C'est une clé qui est très demandée en entreprise, une qualité très demandée, très recherchée en entreprise. Des formations aussi existent par rapport à cette clé pour progresser. Cette clé permet d'accélérer la réussite, permet d'avancer plus rapidement vers son projet, vers un objectif. Cette clé est très utilisée par les managers en entreprise. Cette clé s'appelle être proactif. Qu'est-ce que ça signifie être proactif? Être proactif, c'est mener les actions aujourd'hui en vue de réussir à dépasser les obstacles qui arriveront demain, qui se présenteront demain. Être proactif, c'est anticiper. Être proactif, c'est savoir ce qui va se passer demain. Et donc mener les actions aujourd'hui pour réussir malgré ce qui va se passer demain. Il faut comprendre que vous ne pourrez être proactif que si et seulement si vous savez ce qui se passe aujourd'hui. En fait, pour avoir une chance de savoir ce qui peut se passer demain, il faut savoir ce qui se passe aujourd'hui. Donc pour être proactif, le conseil que je vous donne, c'est soyez informé de ce qui se passe aujourd'hui. Lisez la presse. La presse spécialisée, évidemment, hein, pas les chaînes d'information. Lisez les dossiers, regardez les reportages. Observez, ouvrez bien les yeux, les oreilles, écoutez les gens autour de vous. Écoutez les gens, arrêtez de parler et mettez-vous plutôt à écouter pour savoir ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez vos clients, écoutez vos donneurs d'ordre, écoutez les gens autour de vous, observez et vous saurez ce qui se passe aujourd'hui. Et si vous savez ce qui se passe aujourd'hui, là, vous avez une chance de savoir ce qui peut se passer demain. Et donc, vous pouvez mettre en place les actions aujourd'hui pour réussir demain. Donc ça, c'est le secret de la proactivité. On a un président de la République en France, Emmanuel Macron, qui a superbement bien donné l'exemple en matière de proactivité lors de la campagne présidentielle. En fait, il savait ce qui allait se passer. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qui se passait. Ça veut dire qu'il n'était pas coupé du monde, il n'était pas coupé de la population. Au contraire, il était proche des gens, à l'écoute. Et donc, il savait ce qui se passait. Et donc, il savait ce qui allait se passer. A contrario, ses adversaires, coupés du monde, dans leur sphère, dans leur bulle, ne savaient pas du tout ce qui se passait. Et donc, étaient à des années-lumière de savoir ce qui allait se passer. Vraiment, c'est la clé de la proactivité. Si vous voulez être proactif, pouvoir anticiper, mettre en place des actions aujourd'hui qui vont vous permettre de réussir demain, vous devez absolument savoir ce qui se passe aujourd'hui. Ok ? Donc ça, c'est la clé de la réussite numéro 18. Soyez proactif. Pour ça, soyez informé, sachez ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez bien, observez, interrogez, soyez curieux pour comprendre ce qui se passe. Imaginons que vous êtes sur un marché et essayez de comprendre exactement ce qui se passe aujourd'hui sur votre marché pour comprendre ce qui va se passer demain et donc pour pouvoir être proactif. Pareil au niveau légal, au niveau des lois, soyez au courant de ce qui se passe aujourd'hui au niveau des lois pour comprendre ce qui risque de se passer demain. Voilà, c'était la clé de la réussite numéro 18. Soyez proactif, mais pour ça, ouvrez grand les yeux et soyez informé de ce qui se passe aujourd'hui. Allez, ciao, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.